Allez, on gagne cette game, on est remaster. Je suis vraiment livide. Contre Cassio, mon build est bien là. Enfin, mes runes sont bien. Mais tout dépend de si j'arrive à dodge les Q ou pas. Tout dépend si elle a réussi à toucher ses Q ou pas. En plus, elle joue Ghost. Donc en fait, elle peut pas me tuer au niveau 1 avec son Ghost. Par contre, il faut faire très attention que. Parce que sur la durée, elle peut me tuer. Ça va être ORDM. Bon, on va prendre le Z. Donc le but, ça va être d'être le plus. Ah bon, tant pis, elle m'a touché. Le premier, c'est pas grave. Là, j'ai envie de jouer aggro contre elle. Faut être vraiment imprévisible avec. Voilà. Son but, c'est de toucher les clous. Il faut que je fasse plein, 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 plein de clics. C'est plein de petits clics comme ça, là. Et genre, ça permet vraiment d'être imprévisible. Ok, premier sang. Ok, il a quand même beaucoup de PV. J'ai perdu un sbire. Oh, my bad. Skill jungler, c'est Nidalee, elle peut. Ah, j'aurais dû. Ouais, j'ai perdu un sbire, du coup, je suis pas niveau 4. Ok. C'est pas mal. Il a gagné un stack ou pas? Peut-être. Bon. Ouais, du coup, j'ai perdu un sbire, je suis pas niveau 4. Un peu chiant. Ah, j'ai perdu ce sbire là. Dommage. Bon, faut faire attention, Nidalee, elle est bot side. Donc là, je vais devoir laisser juste. Je vais la laisser push la Cassio si possible. Parce qu'en fait, de toute manière, mon jungler, il n'a pas besoin d'aide. Moi, par contre, j'avais posé une petite ward ici. Ah bah, Nidalee, ok. Elle a fait les camps alliés. Voilà, je la préviens quand même. Normalement, elle aurait dû aller dans le jungle ennemi en face. Enfin, la Kindred. Mais c'est pas grave. Là, on va juste jouer tranquille. Elle va passer niveau 5, donc faut faire attention. Voilà, parfait. Et là, on passe niveau 5 sur Sanu. Niveau 5, ça peut être violent pour elle, mais ça peut être violent pour moi aussi. Faire attention, elle a beaucoup de sbires. Donc j'ai pas trop envie de trade dedans. J'ai envie de surtout désépaissir tout ça. Elle a pas de TP. Donc c'est vraiment agréable le fait qu'elle ait pas de TP. Je vais voir si on peut cancel son back. Ah, bien joué son Q. Il était excellent. Il était excellent son Q. Genre vraiment, hein. Si j'avais envie de l'esquiver, il fallait que je m'avance grave sur elle. Mais dans ce cas-là, c'était un trade jusqu'à la mort d'un de nous deux. Ouais, là, il galère un peu. Qu'elle aimerait back pour son item. Je vais essayer de prise ici. Faire attention, elle a un ulti. Ok. Pas mal le fait que là, j'ai. Retourner. Cassio, elle a plus de ghost. J'ai raté le gros sbire. On peut me report. Parfait, on a pu push.
Ah ouais, d'accord. 2-0 l'Anida. Ok. Il a tué Jarvan quand même. Cassio, elle est obligée. Voilà, de rester. Nida est back. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est sûrement dive Cassio. On va sûrement dive Cassio. Elle a plus d'ulti, elle a plus de ghost. Voilà. Donc on a pu la dive tranquillement. C'est parfait. Bon, vu que ils sont occupés là, l'équipe avec la Nidalee, moi je suis tranquille pour pouvoir push cette wave. Donc voilà, on va juste la push tranquillement. Essayer de me mettre sous tour, parfait. Poser une ward ici et on va back. Là ça va, on joue bien en termes de macro et tout, mais je peux pas aider plus. Je suis à la base, moi. On va faire ça, ça. Ça et ça. Ouais. Et je sais pas si elle est cheat un peu à Kindred, mais au final ça s'est bien passé. Ok. Donc au final on est bien là en termes d'XP et tout. Elle peut pas nous poke plus que ça. On a 700 gold en plus que Cassiopeia. Ah, elle m'a touché avec le Q. Ok, elle est là. Attention, Nida est à côté. Hein. C'est vraiment. Là, c'est juste histoire d'eux. Mais Nida, elle est à côté. Parfait. Faut bait Cassio. Hein. Les Q-spell et tout, faut grave les bait. Je vais peut-être prendre ce trade si j'esquive le prochain. Ah, non, EZ. Ok, tranquille, on se régène de toute manière. C'est excellent. Elle a tenté, elle a raté, on a pu la tuer. C'est pas très bien joué de sa part, hein. On va back sur ça, je pense. C'est chiant, j'ai pas pu ça cancel. Bon, je suis à 97 à 9 minutes. On va faire ça, on va go ça, on va go ça. Et là, on est bien, on aura beaucoup de CDR. Beaucoup de vitesse de déplacement et beaucoup de dégâts. Surtout Cassio est sans flash, on va récupérer notre flash avant. Elle est sans flash, hein. Elle est sans R aussi. On va poser une ward ici. Bon, elle est vue. Et puis ça énerve ce type de ward quand on montre son ward. Là actuellement, ça va être très compliqué pour Cassio de pouvoir nous tuer. Par contre, ouais, Nida, voilà, j'en étais sûr que Nida était à côté. Là, elle nous freeze. Enfin, ça lui permet d'être safe. Tout en étant et moi d'être dans une position très dangereuse parce que Nidalee est à côté, donc ce que je veux c'est surtout hard push. Ok, ah, j'ai pas pu. Bon, au final, la Kindred est trop bien dans la game. Smolder juste hit Kayle. On est bien. On peut la poke comme ça, c'est excellent ce type de poke. Ah, j'ai peut-être mal joué. Ok, elle a plus de ghost.
Elle a plus de ghost. J'ai mal joué parce que je suis resté devant elle comme ça à regarder. Bon, au final, elle n'a plus de. Elle a plus de R là. Il faut vraiment esquiver tous ces Q. Parfait. On va juste régène. Elle est morte. Elle a fait une erreur de positionnement. Une Dali, elle est à côté. Donc on va juste faire ça. Jouer safe. Pas trop s'avancer. Push ça. Parfait. On voit où elle est. Et maintenant, on back. Et on prend notre item. On est bien. On est vraiment bien là. 120 CS, 12 minutes. On domine de malade. On domine de malade, 3-0. C'est 3 solo kills. Hein. 3 solo kills. Sans aide, sans rien. Vraiment, c'est clean. Hein. Webinito. Comment ça va, Ben? On est bien là. Vraiment, on domine bien la mid lane. On va poser maintenant des wards ici. On va pas s'avancer, mais c'est un peu chiant là. Son Z il nous saoule un peu. Je suis repassé D4 mais tranquille. Ouais, tranquille. Même moi, tu vois, je suis repassé bien et tout, tranquille, moi j'en ai. Notre rune nous régène vraiment bien. Ça nous permet vraiment d'être safe. On peut grave la tuer, honnêtement, je pense. Je pense un Q-spell et on la tue là. Un Q-spell qu'on lui met. Ah, peut-être deux. À voir. Parfait. On a pu la solo kill, on a profité de son erreur, c'est-à-dire d'exister. Ça fait plaisir. On back. On va prendre ça. On est dans une game, on gagne. On n'a pas besoin, il n'y a pas vraiment de tank à part Skarner. On veut juste de la mobilité maintenant. On va juste essayer de hard stomp. La top lane gagne, la top lane perd, la bot lane perd, mais on a un jungler en 4-0, on a moi qui suis en 4-0. Et puis notre. Lui il scale aussi. Moi je veux que Horn il up cet item, donc je mets créateur de faille ici. Je vais continuer de push mid. Faut faire attention, elle a beaucoup de dégâts, elle. Donc on va Z juste tranquille, on va pas essayer de... on va pas mourir. Hein. Ça peut leur donner vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Ok. Excellent. On a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Là, on est bien. Hein. Là, on hard smurf la game. Hein. On va prendre cette tour en plus. Faut pas mourir. On est mort pour rien. On est mort pour rien. Je pensais que l'équipe allait follow. Allez. Elle a plus d'ulti, Cassio.
C'est pas grave. Au final, la Kindred, elle peut carry. C'est bien quand on a deux personnes faites comme ça, on peut se permettre des trucs comme ça, mais bon, c'était bête. J'ai pas réfléchi au fait qu'il y avait Cassio derrière. Je me suis dit, on va juste la peau qui est reculée juste après. Mais bon, tranquille. On reste très bien dans la game. Vraiment très très bien. 160 CS, 16 minutes. On va juste aller bot. Maintenant, on aura juste tous les objectifs, direct, etc. Je vais reprendre jungle et monter. Mais ouais, vas-y. Hein. Bah, j'en étais trop fort en jungle, donc t'as juste à jouer. Même Lee Sin, même c'est nul, Lee Sin, tu peux monter. Hein. C'est un perso avec des mécaniques, donc... Donc vraiment, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Même Fiddle, c'est bien Fiddle. On va aller aider la team. On va pas se mettre dans des positions un peu risquées. On va juste prendre le Drake. Parfait. On a de la vitesse de déplacement. Ok. On est en prison, nous. Parfait. J'aime pas trop. Moi, je trouve... Je sais, mais il faut que je back. Hein. Faut faire attention. Jarvan, il peut nous... Elle est morte exécutée. Ok. Bah, il est sur end, let's go. Let's go, on est remaster les gens. Ah, on a un V9 aussi. Hein. Même si la Kindred elle a un V9, on a un V9. On a aussi, on a très bien joué notre phase de lane. Quoi qu'il arrive, on allait être puissant dans la game.